Condor 1 à Perchoir. C'est la merde. On s'est réfugié dans un château, mais j'ai été séparé des glones. Des glones. Perchoir, j'entends mal. Tu me reçois ? Port 1. Pont. Est en route. Et merde ! Y'a rien qui va. Et merde. Y'a rien qui va. Ah bon ? Ah bon ? Bah alors, sérieux ? Y'a rien qui va ? Je crois que ça fait un petit moment qu'il n'y a plus rien qui va, hein, Léon. Je crois que ça fait un petit moment. Ok, on est de retour pour plus de Resident Evil. On est donc, du coup, on est toujours dans le château. Ah ah ! On va peut-être pouvoir faire ça, là. Ou alors c'est un secret que j'ai loupé. C'est possible, hein, c'est possible que j'ai pas vraiment complètement tout fouillé. J'espère qu'on retournera au village à un moment. Enfin, après, je crois qu'on a tout fait au village. Je pense pas que ça sert à quelque chose. Mais ouais. Oh putain, il y a encore une bonne partie ici. Ah oui, putain, mais dans l'original, c'est vrai que ça dure longtemps, en fait, la partie château. Oh, et ça, je sais ce que ça doit être. Ça doit être un combat de boss. Je crois savoir ce qu'il y a. D'accord. Ouais, c'est... Honnêtement, les cartes sont bien grandes. Les cartes sont bien grandes. Ouais, c'est impressionnant, c'est pas mal. Donc, la dernière fois, on avait fait une bonne partie château, et je vais être franc... Ouf, c'était quand même compliqué. J'avoue que le jeu a un peu un bon challenge, donc je suis assez content de ça. Mais ouais, c'était un peu compliqué. On a 15 soins, on est bas en munitions, et pfiouf, on a quasiment pas de poudre non plus. Donc c'est pas le top. On peut pas faire grand chose, on peut faire des carreaux, donc on va essayer d'économiser un peu... nos munitions et tout ça, et essayer d'utiliser les carreaux surtout, parce qu'on peut faire des carreaux en plus et on en a déjà 5. Donc ça serait vraiment une bonne chose. Ah, donc ouais. Donc ouais, on va essayer de faire ça. J'ai édité, parce qu'à ce moment où je fais cette vidéo là, j'ai encore toujours pas sorti de vidéo. parce que j'étais occupé à faire autre chose, je jouais à Barotrauma avec les amis du Discord et tout ça. Et j'avais édité les vidéos, j'ai fait le rendu. Et je me suis rendu compte que j'avais pas regardé le son, en fait. Et le son du jeu était très bas. Du coup, bah, vous entendez pas vraiment ce qu'il dit. L'ambiance, elle est pas là, parce que le son était très bas. J'avais édité les 5 vidéos, j'avais fait le rendu des 5. Donc, du coup, on va tout refaire. J'ai un peu de deg. Mais bon, c'est pas grave. Oh! Attends. Ah, mais ouais, non, mais attends, on n'a pas trop de place. On n'a pas trop de place. Est-ce que je veux bien pêcher? Ça nous ferait de la vie. Attends. Oui, non, de toute façon, ça l'abîme. Ok, nickel. Ouais, je veux bien pêcher un peu. Genre un truc, ça, à la limite, devrait suffire. Après le gros, on va pas le prendre. J'ai vu un gros qui traînait là. On peut bien manger, on peut bien. Permet de regagner de la vie, oui. Je vais peut-être en prendre un deuxième. Voilà. Ouais, c'est bien. Comme ça, il nous reste un peu de place pour des munitions. Du coup, toi, tu veux que j'aille plutôt... Ok, là, c'est fermé. Donc ça, c'est la grille où Ashley nous a lâché. Il n'y a pas eu de cinématique aussi. Genre après la cinématique où elle est partie, tout ça, la fin du chapitre et tout machin, le chapitre commence, il n'y a pas eu de cinématique. Juste Léon qui parle à Negan. Ah! Dure journée, étranger. J'avoue. Bienvenue! J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Lui, il paraît qu'il y a plein de gens qui ont checké, essayé de comprendre le lore avec le marchand et tout ça. Le marchand, il fait partie des villageois, apparemment. Il ferait partie des villageois. Genre, il y a des détails et tout, on peut voir sur sa main et tout. Enfin, sur le peu de peau qu'on peut voir. Mais après, c'est sur l'original, hein, bien sûr. Donc, peut-être que le remake, ça a changé. Mais ouais, il est infecté et tout, en fait, lui. Mais il a gardé son sens. Il n'est pas devenu un monstre. Donc ouais, il y a une histoire en fait sur lui.
Oh, gilet qui protège complètement des tirs et des explosions et réduit les dégâts des attaques subies au corps à corps. Il est possible de le réparer au prix de marchand. Ouh, gilet pare-balles. Oh, ça, ça me fait plaisir qu'ils aient rajouté ça. Alors, je vais être honnête, je me rappelle plus s'il y en a un dans l'original. Je sais que dans le 5, genre, il y avait gilet pare-balles contre les munitions et contre les tirs et contre les dégâts physiques. Ça, c'était cool. Dans Remake 2, je me rappelle plus s'il y avait ça. Je sais plus non plus. Mais ça, c'est bien qu'il y ait un gilet pare-balles. Ça, c'est cool. Donc, on va le prendre. Oh mon dieu, il va falloir peut-être le transporter. Ah, il va peut-être falloir le transporter. Ça va prendre de la place. Mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir. Qui s'est capable de tirer en rafale de 3 coups lorsqu'il est équipé de sa crosse. Ah, c'est le Matilda. Ils ont mis le Matilda en échange. Ah, ok, sympa, sympa. Alors, ça. Merci. Oh merde, on est. Ah oui, on est limité en fait en argent là. On n'a même pas de. Bon, après, c'est que 18 000, hein, donc c'est pas trop grave. Je crois que je vais vendre le Ren 9 parce que je ne peux pas l'utiliser. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre. Ouais, on va rester sur. Même si, honnêtement, même le Matilda, il peut être pas mal et tout ça. On va rester sur le Punisher parce que bah, il est très augmenté. Il a les balles perforantes. Il tire vite et tout. J'aime beaucoup le Punisher, moi. Le 5-7. Je kiffe, donc je m'en fous un peu du reste. Enfin voilà, c'est vraiment le pistolet qu'on va garder du début à la fin maintenant. Ça y est, on s'est lancé là-dedans, il n'y a pas besoin de le changer. Donc on va vendre ça. Une affaire bien conclue. De toute façon, on peut le racheter ou pas? Pas si on peut. Est-ce le que voir, va pas si te faire ça. Bienvenue. Non, on peut pas les réacheter. Ah si, ça, là. Rachat. Ce que racheter. Tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Ouais, ça c'est bien ça. Alors, j'ai pare-balles. Ne t'en fais pas, je propose également un service de réparation. Reviens quand tu veux, surtout. Oh, yes. Il l'a sur lui. Oh, c'est classe maintenant, il l'a sur lui. Ouais, c'est stylé. Ça, c'est bien aussi. C'est des petits détails à chaque fois, mais c'est vraiment classe. Ah, il est joli en plus. Hein. On dirait une PACA, en fait, de Tarkov. Bah, ça doit être plus ou moins ça, en fait. C'est un peu le gilet bas de gamme, honnêtement. C'est pas le truc de l'armée avec des plaques de métal. Mais oh, on a le symbole aussi en bas à droite maintenant. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Du coup, il prend pas de place. Donc c'est nickel. Donc c'est nickel. Ah oui, un truc que je me disais, c'est qu'il n'y a pas de deuxième stand de tir. Parce que si on peut plus revenir au premier, c'est vrai que bah, on aurait peut-être dû quand même regarder s'il n'y avait pas... un stand de tir, un autre. Enfin, j'ai pas vu de porte, rien, hein, quand, au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'aventure. C'est quoi ça? Ah non, c'est juste des trucs qui tombent, en fait. Genre des lierres. Ouais. Genre, le gilet pare-balles, c'est un peu notre récompense, j'imagine, pour avoir combattu autant. J'espère que ça va un peu se calmer, par contre, là. Parce que je voudrais vraiment me refaire... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, j'ai pas réparé mon couteau. C'est des... Ah, il faudra aller réparer notre couteau. Sinon, ça va coûter super cher. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comme neuf. Fais bonne route. Donc même le gilet a des résistances. C'est top, hein, quand même. C'est vraiment sympa. J'aime bien parce que même le côté tir et tout ça, ils l'ont rendu un peu plus... On va pas dire réaliste, mais oui, enfin non, si, un peu plus réaliste quand même. Comparé à ce qu'il faisait hein, depuis 20 ans. Je veux dire. C'est quoi ce délire? On fait voir un peu. Objectif intermédiaire. Non.
qu'est-ce qu'il y a là? J'arrive pas bien à voir. Il y a une ouverture. Ah putain, il y a lui. Il y a le grand voodoo là. Remets la flamme écarlate. La voix de la peste réside dans les flammes guidant les âmes misérables vers le salut. Remets la flamme écarlate à sa place, ainsi tu seras éclairé et le chemin sera révélé. Ok, donc faut remettre une lampe apparemment. Ouais, une lampe torche. Comme ça là. Ah, et c'est lui qui l'a, non? Ouais, ça doit être sur son bâton. Ah merde. Ok. Gloria a las plagas. Gloria a las plagas. C'est lui qui fait ça. Ok, on a des... On en a. Est-ce qu'on pourrait en faire d'autres si jamais... On peut en faire d'autres si jamais on a besoin. Ok, donc il y en a un là. Il y a des mecs. Attends, je vais pas casser la caisse. Faites comme si j'étais pas là. Le mieux, ça serait de... Ah, ok, vas-y, go. Désolé. Ok, on va faire un truc, on va faire ça. Oh, merde! Le mieux, ça serait... Oh, mon dieu. De les faire tous changer en fait et après les tuer, mais bon. Par contre, je pensais pas qu'il y en avait autant. J'ai un peu merdé. J'aurais dû mieux regarder. Là, il y en a quand même beaucoup. On va attendre d'être encore plus bas. What? Ah! Oh la vache, c'est lui qui fait ça. Ok, bien. Il me perturbe l'esprit, l'enfoiré. Oh, attends, ça va plus vite de faire comme ça. Donc on est à moitié invincible. Ok, on a la lanterne. Ok. Je dois bien me soigner, mais... Ah, attends. Ok, on va se soigner maintenant. Donc on est... Le gilet pare-balles est vachement puissant. Vachement puissant. Très bien. Il y en a beaucoup. Hein. Ok, miroir avec perle rubis. Yes, c'est tout. Ah de merde. Un point. Ok, on va
s'occuper de l'autre qui me tire dessus et je crois qu'on est bon. J'aimerais bien que Léon soit vraiment... je crois que le seul problème, bon, à part qu'il soit lourd et tout ça, honnêtement, on peut s'habituer à la lourdeur du personnage. Merde, qu'est-ce que tu fais, Léon? Ah oh, d'accord, super. Oh là là, il y a plein de trucs à faire, en fait. Ok. Il y a plein de pièges. J'ai mal étudié la salle. Honnêtement, j'ai très très mal étudié la salle. J'avoue que je suis pas très fier de moi. Il y a plein de pièges un peu partout pour rendre la vie plus facile. Bon, après, c'est passé. Hein. On est à moitié du gilet. On a utilisé 15 soins. On est full vie. Ah, il y a pire, quoi. Mais ouais, ce... À la limite, la lourdeur du personnage, je peux m'habituer. Mais un truc que je voudrais bien, c'est qu'il puisse, genre quand on vise, qu'on puisse genre bloquer quasiment instantanément. Genre à la limite, qu'il prenne le couteau quand il vise. Vous savez quand il y en a qui font ça, ils ont le couteau. Bah comme Snake en fait, tout simplement. En fait, c'est ça la différence. La différence entre Léon et Big Boss, par exemple, dans Metal Gear Solid 3 et tout ça, c'est que Big Boss, il avait le couteau en fait, en main gauche. Sous le pistolet. Donc du coup, il est bon à distance et au corps à corps. Il peut directement genre faire du CQC et attraper une personne et le mettre en... comment dire en le... Pas en joue, mais... Le maintenir, quoi. Donc il peut faire ça. Et c'est des vraies techniques, hein. C'est pas des trucs juste de jeux vidéo, hein. Donc voilà, c'est ça en fait la différence entre un personnage dans un sens, si on veut parler de lore, enfin pas de lore mais de folklore, du thème du jeu. C'est un peu la différence entre un mec surentraîné, genre un vrai, genre Big Boss par exemple, et un mec qui est plutôt policier militaire, quoi, peut-être à la limite. Enfin quoique, policier militaire honnêtement il devrait faire pareil, mais bon. Enfin bref, voilà, c'est juste des différences. C'est marrant de penser à ça, de se dire que... Les deux sont très bons, mais il y a quand même des différences, et du coup, on voit que ça marche pas trop bien. Sur certaines choses pour Léon. Mais ouais, il serait tellement mieux, beaucoup plus efficace. S'il peut sortir son couteau, en fait, et garder son couteau à la main tout le temps, ça serait vraiment très bien. Alors, on n'a pas récupéré tous les carreaux, hein. J'en ai perdu, je crois, deux. J'ai encore des ça. Après, on s'est mis full vie, donc ça, c'est dans un sens, c'est pas si mal. Ouais, je vais dire que c'est. On a vu pire en niveau dèche de munitions et de ressources, donc c'est pas trop trop grave. Une lanterne qui brûle d'une flamme rouge. Attends, d'abord, je veux peut-être la regarder juste vite fait. Un peu. Ouh, c'est joli. Hein. C'est joli, j'aime bien. Et du coup, ça c'était... Ah, mon carreau. Mes carreaux. Je sais pas si je peux les récupérer. Je crois qu'ils sont plantés dans les murs en hauteur. Mais on va voir. Ouais, je crois qu'il y en a un en hauteur. J'en vois un là-bas. Je pense pas que je puisse les récupérer. Oh, yes. Et après, l'autre, c'était... là-haut. Là. Ah, maintenant que j'y pense, Léon, il serait tellement plus efficace d'avoir tout le temps le... Ouais, non, je peux pas l'avoir. D'avoir le couteau sorti. Ah, mon dieu, je vais penser qu'à ça, maintenant. Je vais penser qu'à ça. Genre, il serait tellement plus classe, en plus. On pourrait aller réparer le gilet pare-balles, mais bon, on va pas exagérer non plus. Par contre, il est vachement bien.
Je fais juste encore une... Après, on avance un peu plus. Hein, parce que je vais juste reparler du gilet pare-balles. Je sais plus où ils le mettent, le gilet pare-balles, ou pas. Enfin, ils le... Non, ils ne le montrent pas, en fait. Mais extrêmement bien. Hein. Extrêmement bien. Il protège contre... Genre, il annule certains dégâts. Complètement. On prend plus trop de dégâts non plus. Genre, si on se prend des carreaux et tout. C'est vraiment intéressant. On va aller récupérer ça. On va peut-être aller voir le marché. Ou pas. Je sais pas. Ouais. Ça s'ouvre pas. Peut-être aller voir le marchand après. Attends. Par contre. Putain, j'arrive plus à parler. Il y a un trou donc. Ah, ok. Il faut Ashley. D'accord, ça marche. Bon, bah, on va aller voir le marchand. Je vais aller voir le marchand vite fait pour me donner un peu une idée du prix du gilet pare-balles en fait. Vous avez vu le changement de couleur, d'ambiance, ça c'est des... Salut étranger. Des filtres. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Une voilà. Affaire bien conclue. Fais voir. Déjà toi. Être méticuleux jusque dans les moindres détails. C'est cher, hein. C'est cher quand même. Je te souhaite bonne chance. Fais bonne route. Par contre, je veux bien acheter ça du coup. Tu fais des réserves au cas où. C'est une sage décision, ça. Mieux vaut premier coup. C'est vu qu'on est limité à, je crois que c'est un spray par. Comment ça s'appelle? Par chapitre. Du coup, on va en prendre un, quoi. Ok. Je sais pas si. Je vais voir un peu. Peut-être qu'on peut le vendre celui-là. À la limite. Ça fait de l'argent et peut-être que c'est pour une quête aussi. Ah, n'oublie pas. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Oh, 1400, non. Peut-être aussi pour gagner de la vie. Ouais, mais ça, c'est super grand, non? Voir mallette. Ouais, c'est pas énorme en fait en place. Je sais pas. Non, mais on va le vendre, je pense. Ah, on peut vendre comme ça directement depuis la mallette. Ah, c'est pas mal ça. Parce qu'honnêtement, je suis pas très fan de ce menu. Mais bon, là au moins on a tout, mais bon. Si on veut vendre des choses dans la manette, on peut vendre ça. On fait bonne route. Allez, on avance. Je kiffe le gameplay du 4, hein, le 4 remake, hein, vraiment cool. Et tout ça, c'est super fun en fait. Juste Léon qui est lourd. C'est un PMC niveau 1. Qui reste niveau 1. toutes nos armes sont chargées. Ouais, on a que 4 cartouches de fusil à pompe par contre. Je te conseille de ne pas bouger. Ada. Léon. Ouh, la rencontre enfin. Ce serait bête d'utiliser ça. Pas vrai? Eh ben, après 6 ans, j'aurais espéré un meilleur accueil. Ada. T'as pas l'air surpris. Intéressant. Voilà. Laissez le couteau la prochaine fois. C'est mieux pour le corps à corps. Exactement. Pas mal du tout. Tu m'impressionnes. Le mec, il dit ça, il l'utilise pas. Alors tu travailles pour qui, cette fois? Enfin, pas comme je dis, en Léon, tout cas. Tu sais bien que je vais pas te répondre. Jour, laisse la fille. Il va se le planter dans la jugulaire. Il est trop tard pour elle. Va-t'en maintenant. Et qui sait? Avec un peu de chance, on se reverra. Et tu auras peut-être l'accueil que tu espérais. Tu crois que je vais abandonner si facilement? Je vois.
Et si on continuait cette discussion une autre fois? Ça va, la cinématique, j'aime bien. Eh elle ben, est pas... si je m'attendais à ça... Elle est un peu plus réaliste que dans le 4. Le 4, honnêtement, le 4 original est un peu trop extravagant, en fait. Enfin, moi c'est mon goût, hein. Tout le monde a des goûts différents. Mais le 4, pour moi, c'était un peu trop... Enfin, si vous vous rappelez la rencontre avec Ada, genre, elle fait une roue et tout ça pour combattre, c'est complètement con. C'est quoi la personne, là, c'est un Asiatique qui fait des films d'action, John Woo? Je sais plus. Enfin voilà, c'est très n'importe quoi, honnêtement. C'est pas réaliste du tout. Après, c'est super fun à regarder. Hein. C'est super, super fun. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est trop à chaque fois, en fait. C'est juste too much, en fait. Comme ce que Léon dit au début du 4 remake. C'est too much. Et voilà. Mais là, c'est beaucoup plus sobre, mais c'est plus réaliste aussi. Genre la façon dont... Pierre lithographique B. Une pierre calcaire utilisée pour faire des lithographies. Mais voilà, là, même Léon dit utilise le couteau et tout ça. C'est beaucoup plus logique et tout. Donc ouais, j'aime beaucoup. C'est quoi tout ce que je récupère là? Donc ouais, c'est beaucoup mieux. Genre apparemment, là, elle a sûrement le grappin toujours, j'imagine. Mais on l'a pas vu l'utiliser. Donc dans un sens, c'est pas si mal. Là on se dit, ah putain, comment elle a pu partir et tout. Enfin voilà, il y a encore un côté mystère en fait. Donc ouais, j'aime mieux cette version là. Pour moi, je pense que c'est mieux. On peut faire un truc aussi fou que le 4, mais tout en restant plus logique et plus sensé. Ok. Ça. Petit puzzle. Sûrement. Alors... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire coïncider les trucs. Comment ça faire pivoter? Ah, ok. Ça marche. Là, c'est un carré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un octogonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est 6. Merde. Oh, la vache, j'ai un doute. Bref. Ça doit être l'inverse. Ou alors c'est comme ça. Après, est-ce que les couleurs veulent dire quelque chose ou pas? Oui, je crois que les couleurs veulent dire quelque chose en fait. Ouais, ok, ça marche. Ça marche. Peut-être celui-là. Ok. Et voilà. Ok, on est bon. Dernière. Ah. Oui, ça c'est le... Ça c'est le tiroir, ça marche. Avance. Bon, ça, il faut que je retrouve Ashley. Oui. oui, Léon, oui. T'inquiète pas, on n'a pas... Oui, j'ai pas changé d'avis. Hein. On n'a pas changé d'avis. T'inquiète. Illuminados, 3-2. Attendez le signal résonner dans les montagnes. Entendez le signal résonner dans les montagnes. Les roches deviennent gravier et les murs du château s'écroulent. Contemplez la teinte cramoisie du ciel nocturne. Une rivière de sang impur souille la mer. Sacrifiez votre vie et le sang de vos ennemis. Expiez vos péchés passés. Eh ben. Ah merde. What? Ok, ça c'est deg. On va pas s'approcher. Ah, des créatures. Oh, bordel. Putain, c'était quoi? J'ai... Oh! Comme un film d'horreur, quoi. Juste au moment où je regardais autre part, un truc passe. Aïe, 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 c'était quoi? Je sais pas ce que c'était. Honnêtement, j'ai pas vu. Ok, très bien. Petite clé, on va faire demi-tour. Ce serait pas un piège de faire demi-tour comme ça, là?
ça va, tout va bien pour le moment. Montre à Gousset. C'est quoi ça? Ah oui, c'était en fonction des pierres de... pour faire des pour imprimer en fait. Ok, par là-bas. Voir un peu. Ouais, ça va. Enfin, on va peut-être sortir le fusil à pompe juste au cas où. Vu qu'on est dans un couloir, s'il y a un truc qui me pop dans la gueule, je préfère lui mettre une cartouche de fusil quoi, qu'un carreau. Oh non. Putain. Oh putain. Ça s'arrête jamais. Vous voyez, toujours, fusil à pompe, dans les couloirs et tout ça. Genre la logique, la stratégie vous tient en vie. Par contre, ouais, c'est vrai que j'aimerais quand même faire des cartouches. Mais on n'a plus de grenades non plus. On a assez pour faire les deux? J'en ai que 12. Allez, on va choisir fusil. Il y a pas de mal à se faire plaisir. Il est là, lui. On peut le casser, ça ? Ah, d'accord. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre. J'ai des snails vendus. Trésor ou babiole, ça va faire. Ah tiens, on a... Ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé l'horloge. Apparemment, on peut mettre deux types différents. C'est sympa. Hein. Alors, il nous faudrait... deux fois la même couleur, à la limite. On peut faire... bah on peut faire deux rouges. Ouais, on peut faire deux rouges. Viens quand tu veux. Bienvenue. Une affaire bien conclue. Ouais, très bien. Je dirais les d'augmenter le... de bonnes mains. Le magnum, parce que du coup, le jour où on l'utilise, bah ça va faire très mal, quoi. J'ai envie de dire. On devrait peut-être faire ça. Ça fait cher hein, quand même à investir, mais... Et voilà, comme tu l'as demandé. Et après, il n'y a plus que le sniper à augmenter, au max. Est-ce que je fais bonne route? Ça marche. Elle est où ton imprimante? Elle est là. Nickel. Pour le moment, ça se passe. Pour le moment, ça se passe. Elle a dit qu'elle voulait pas te revoir. Eh bien, tant mieux. Au moins, je n'ai plus besoin de me montrer magnanime. Oh. Enfin jouer selon les règles de la famille Salazar. Merde. Putain. Ah, oh, oh, on est dans la merde. Je... il y a des snipers en haut. Ouais, on va être dans la merde. Je vais devoir courir et avancer. Je peux pas me mettre à l'abri. On peut le... il y en a 3. Je peux le faire au pistolet, mais ça va être galère. Mince. Là, j'avoue que je peux pas faire grand chose. Ça sert à rien d'aller au marchand. Ça sert strictement d'aller rien. C'est strictement rien d'aller au marchand. Il me faut de la poudre. Ah si! Je pourrais prendre de la poudre avec ça. Et on pourrait faire des munitions. Mmh.
Ah, ça m'embête d'utiliser des spinels en fait pour ça. Alors, on va essayer sans. Ah, merde. Oh, vous m'attendiez ? Ok. Attends, on n'a pas de grenade, rien. Et on a ça qui arrive. Ça a mal, hein? J'ai quand même beaucoup de munitions. Zigzag, zigzag, zigzag. C'est une stratégie militaire. Ok, cool. Oh la vache. Un de moi. Ok, le machin crève en un carreau, ça c'est bien ça. Merde, le carreau il est tombé. Ah, attends. Encore eux qui s'est pas le parasite là, encore eux qui s'est pas bloqué au mec. Ok, on a une grenade, ça c'est bien. Donc il y a des trucs là. J'entends quelqu'un. On va voir ce que ça fait les... Ça là. Attends, là c'est soleil. Là c'est lune. Ok, la lune est ouverte, le soleil est fermé. Est-ce qu'il y a un moyen de d'ouvrir tout en fait? Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a une sorte de puzzle à faire avec ça? Non, je sais pas. Ah, ok. On a... Suivant. J'aurais dû le poignarder. Enfin, quoique non, ça va. On récupère tout. Non. Trois morts comme ça, c'est bien. Ça nous fait économiser des munitions. Yes. Cool.
Ok, donc ouais, y a un petit jeu porte ouverte, porte fermée, ça marche. Léon, t'es sûr que tu veux pas prendre une lance ou une hallebarde ou enfin un truc quoi? Ce serait vraiment bien. Il y a un mec à droite, je crois. Ouais. Non, mais non, il va me voir monter en fait. Dépêche. Putain, Léon! Ouais, des fois, quand je suis comme ça, en fait, quand je suis au corps à corps, je vais juste arrêter de vouloir tirer, même si je peux. Enfin, si je prends genre le pistolet pour être rapide et tout ça, je vais juste contrer. Je vais juste contrer. Parce que je me prends des petits coups juste pour rien, en fait. Là, on n'a rien pris en dégâts, mais on a le gilet pare-balles a pris, en fait. Ça, c'est relou. Ouais, non, il faut vraiment que... Puis on a perdu un carreau, apparemment. Faut que je m'habitue à faire ça à la place. C'est quand même nettement mieux. On a un mec en... juste en bas. On va pas descendre. Là, ah, carreau. Non? Oui, carreau. Ah, on peut aller dans son dos, je pense. Ou alors c'est pas fermé. Non, c'est fermé. Non. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on descende pour aller combattre le mec. Oh là, oh là là. Putain. Putain, je tire dans la robe. C'était très con. Ça. Recharge. Pas trop difficile, ça là. C'est chiant, on a perdu de la vie. Allez, et c'est vraiment sympa ce système de gilet pare-balles là. Oh la vache! C'est pas mal là. Ouais, c'est vraiment très très intéressant ce système de gilet pare-balles. Je suis très content. J'aurai certains dégâts qui touchent pas en fait. Mais je crois qu'elle m'a tiré dans la tête. En... Enfin non, là je me le suis pris peut-être dans la tête. Ou alors là c'est plus gros qu'un carreau. C'est fermé. Je crois que le gilet pare-balles disait que ça immunise contre les tirs. Un truc comme ça. Bon, par contre lui il m'embête là. Je vois pas trop comment faire en fait. Il faudrait aller là, parce qu'il y a sûrement des objets à récupérer. Ouais. Quelques trucs. On peut y aller au fusil à pompe. On a une cartouche. On le fait tomber, puis après on le défonce. Oh oh oh! Vache! J'aurais dû me baisser en fait. C'est peut-être plus logique.
Enfin, après, tant qu'on la... tant qu'on l'esquive, ça va. Ok, donc là, il faudrait l'une. Ça marche l'une et on descend dans le trou. Il va falloir jouer comme ça en fait, enfin penser comme ça. Ah merde. Pas mal. Collier orné. On n'a pas pu... on n'a pas pu faire de... poignée. On n'a pas pu le poignarder en fait. Mais c'est pas grave. Ouh, grenade, ça c'est bien ça. Je crois que j'en ai quelques-unes. Okay. Là on est... là on est bon. On a le... ça. Alors, fais voir un peu. Donc ça c'est 4. Donc 4 c'est... donc ça c'est 5. 4 on peut faire... le mieux ça serait la même couleur. Ouais. La même couleur ou alors 4 couleurs différentes. Tiens, on a du jaune. On a 3 jaunes. Ah oui, mais attends, c'est pas les... c'est pas les mêmes emplacements. C'est 2 ronds, 2 carrés. Genre en fait on pourrait faire ça. Et là, 1.6. Le mieux, ce serait 1.7. Mais on peut pas. Il faudrait des rouges, en fait. Parce que les rouges, on a des carrés et des ronds, en fait. Donc, il faudrait que des rouges, par exemple. Il faudrait 2 carrés rouges, 2 ronds rouges. Et on n'a qu'un seul rond rouge. Ouais. On va laisser ça comme ça. Ça a l'air pas mal pour le moment. Non, très bien. Alors normalement il y avait des snipers, des arbalétriers. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous commencez vraiment à me faire chier à un point, c'est comme ça là. On peut aller là ou pas? Ouais. Vous commencez à me faire chier, c'est colossal. Un point, c'est colossal. Ok, cool. Oh mon dieu. Maintenant, on a Bibendum Chamallow qui nous balance des objets, enfin, des rochers. Ah ok, on est revenu là, ça... ok, raccourci. C'est sûrement pour activer ça, j'imagine. Par contre, comment je peux... je peux revenir ou pas? Ah ben putain. Ah si, je l'ai vu le poids. On va devoir ouvrir les deux grilles et j'imagine qu'il va falloir activer un levier. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un truc à tirer de loin. Je suis bien protégé là. On a des vents. J'avoue que...
merde, il est pas mort. Suivant. J'avoue que d'avoir la grande lunette, ça serait bien. On va essayer de s'avancer. Ok, nickel. On va faire ça. Je sens que de fermer ici, ça va ouvrir quelque chose en face ou en arrière. Je sais pas, je sens bien. Bon, on va avancer. C'est pris les cailloux. Tiens. Ouais, très bien. Bon, ça dans l'original, je crois qu'il existait pas. Il dit pas de conneries. Par contre, il y a le sniper qui est au loin. Enfin, l'arbalétrier. Ok. Ah, j'avais pas vraiment tiré sur la tête du premier jeu. Attends, j'ai vu un objet sur le chemin. Il est en bas. Non. Ouais, bon, on verra plus tard. Ah, la vache. Les dégâts, quoi. Voilà, très bien. Oh Dieu. Yes. Un canon. J'espère qu'il marche. Ouais. Ok, donc il y a des objets en bas en haut. Ok, faut d'abord qu'on s'occupe de Bibendum. Oh merde. Alors est-ce que c'est exposé là? Non. Ok, je crois qu'on est bon. Je crois qu'il est allé tout en haut. Eh ben, que bordel. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est kiffant. Par contre, ça va être une galère de le combattre pendant qu'il nous balance des trucs. Hein. Comment tu veux que je le fasse? Je vais pas avoir le temps. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est lent. Je crois que ça l'a énervé. Ça va. Adios, espèce d'enfoiré. Tiens. Adios, espèce d'enfoiré. Et ben voilà, on frappe avant l'entrée. Ha ha.
On va pouvoir fouiller un peu. Ah, le truc, il est tellement pas mort. C'est gros comme une maison. Hein. Le machin, il est pas mort. Ok, on peut, je pense, descendre là, ouvrir ça. Voilà, très bien. On peut revenir en arrière. Je vais juste récupérer les objets. Ok, demi-tour. Ouais, on a... ça va. Les munitions pistolets, ça revient doucement. Ça revient doucement. Alors, là, on va devoir jouer, par contre. Alors, là... Après, ceux-là du château, là, ils donnent quand même beaucoup de... Pourquoi il y a un explosif? Oh. Ils donnent quand même beaucoup de... d'argent, hein. Donc ça, c'est vraiment bien. Hop. Attends. Attends, ça c'est une lampe, mais elle est pas allumée à l'intérieur. Ok. Je me suis dit, genre l'attrape couillon où tu tires sur la lampe, elle tombe, elle est allumée à l'intérieur, il y a une flamme, ça fait... Ça, je sais pas si c'est de l'eau ou du pétrole, donc laisse tomber, quoi. Pas envie de tenter, quoi. Je pense qu'on a tout fait. Ah ok, il y a des boîtes ici, on peut inverser, je crois. Quoique, peut-être qu'on peut pas monter en fait. Je passe par le pont, à la limite. Je passe par le pont, fait de... Ouais, je passe par le pont. Comment je... Pardon. Et là, il y a ça aussi à ouvrir, c'est toujours pas ouvert. C'est toujours pas ouvert. Ah, ça, on prend quelques minutes, mais c'est vraiment pour tout récupérer, hein, parce que sinon... ouais, enfin, ça fait, ça aide pas du tout d'ouvrir la... Merde, mais en même temps, je peux pas... Je crois que je peux pas revenir, en fait... Il n'y a pas de levier ici, de ce côté-là. Si ? Il me faudrait un levier en fait entre les deux en plus. Donc Après, je trouve ça bizarre qu'il y ait un explosif ici en fait. Mais bon. Ah non, je crois que je suis un peu baisé là par contre. Il faudrait ouvrir cette porte, donc il faut un levier. Mais là, ça va s'inverser, du coup. Donc à la limite, il faut un levier ici. Mais cette porte, elle sera fermée, donc je peux pas avoir un levier là-bas. Donc du coup, il faudrait tomber sur cette sur cet endroit. Mais je peux pas revenir de ce côté-là. Je peux pas repartir, en fait, d'où je viens. Donc du coup, bah, je crois que c'est mort. Ah, ça m'emmerde. Ah, surtout qu'on a... Ouais, je crois que c'est mort. À la limite, il faudrait ouvrir ça. Oh ! Ok. On va descendre, on va regarder en haut derrière nous. Pour voir si il n'y a pas le poids. Non.
pas le poids pour ouvrir. Non, je crois que c'est mort. Bon, bah on va devoir avancer. C'est bête. Il y avait genre une caisse. Et après, il y a toujours le tiroir. Ça, le tiroir. On va remonter. Je vais regarder un peu en l'air, mais... J'attendrai. Ouais, genre si... Enfin, quoi que même, en plus, ça nous aiderait pas, parce que c'est détruit. Ah. Je crois qu'il fallait enclencher le truc avant, au final. Ah, c'est pas grave, allez, on avance. Ouais, allez, go. Putain! Je savais qu'il était pas mort, le machin. Désolé, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. J'avoue. Marchand. Enfin, après, on n'a pas vraiment besoin, on est encore en bon état. Mais bon, vu qu'on a, on a fait une session de combat, souvent il y a le marchand qui arrive. C'est bête qu'on se soit, on se soit pris les... Ashley, où est-ce que t'es? Les rochers à un moment, ça nous a vraiment enlevé beaucoup de vie. Ça c'est bête. Après on a les poissons hein, pour soigner au pire. On a les jolis poissons. Où est-ce qu'on est là? Ah. Ça a dû être horrible. Je sais, je sais. Toi aussi? C'est normal d'avoir peur. Mais tu peux pas fuir. Tu dois avancer. On va vaincre ce truc. Ensemble. Je sais pas si j'en ai la force. Mais si. Par contre, préviens-moi la prochaine fois que tu veux me poignarder, d'accord? Léon. Merci. Non, c'est mignon. C'est mignon. Ça va, on s'est bien... C'est bien débrouillé. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va continuer encore un peu, moi j'aime bien. Continue un peu et let's go. Louis, t'es où? Désolé, j'ai merdé. Viens me sauver, prince charmant. Tu sais ce qu'il te dit, le prince charmant? C'est bon, je suis dans la salle de bal après la cour. Sois pas en retard pour la danse. C'est quoi ce mec? Il a des ennuis, on va pas le laisser tomber. On est dans la salle de bal. Ouais, j'ai encore... ouais, ça va faire un épisode un peu plus long, mais c'est pas grave.
Ashley, tu peux pas me porter des choses, honnêtement? On est un peu tous les deux dans la même situation. Ce serait vraiment sympa que tu commences à porter mon équipement. Attends, du coup là c'est d'où on vient. Aïe 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 aïe. C'est embêtant parce que je peux mettre les cartouches dans le fusil à pompe. Ça c'est chiant quoi. Je pense qu'on va utiliser ça pour soigner. Ouh la vache, ça remet vraiment beaucoup de vie en plus. Ouais. Alors, fais voir un peu ce qu'il y a. On a des gros Raven. Ouais, on a que ça pour le moment. Je vois rien d'autre qui bouge, donc on va avancer. J'imagine qu'on va se faire poursuivre dans le labyrinthe. Des cartouches quoi. Alors, peut-être que celui-là de droite fallait pas. Il y en a un qui m'a donné quand même un rubis, hein. Je veux pas dire. Mais... Ah merde, il y a un serpent. Ok, très bien. Ouais, on a un problème là niveau équipement. Niveau place quoi. Quoique, non, en fait non. Non, t'as pris le serpent avant les munes. Non. Ah, tu fais chier. Là, bon, là on a un problème par contre. Là on a un problème. On peut faire des grenades aveuglantes parce qu'on en a pas du tout. Donc ça, c'est vrai que ça aide tout le temps. Et... Ok, ça. On a ça aussi. Une... Je peux faire... On a que 3 de ça, on peut les virer. Ou alors, je retire la lunette. Mais bon, enfin, retirer la lunette du fusil de sniper, c'est un peu con quand même. Surtout qu'au final, bah, on a quand même beaucoup de combats au corps, enfin, pardon, à distance en fait. Donc, bon, ça sera un peu débile. Après, si je fais des cartouches, ça utilise ça. Ouais, à la limite, on va faire des cartouches de fusil à pompe. C'est con parce que on aurait pu faire tout simplement ça, mais voilà, il a pris le serpent en fait avant. Ah, fait chier. Y en a un qui vient par derrière ou pas?
Il y a un truc bien, c'est que Ashley se met vraiment bien derrière Léon en fait quand on vise. Ça c'est vraiment cool. Okay. On va y aller doucement, pas besoin de courir. C'est une cartouche en plus, ça les tue. Et notre fusil à pompe est très très puissant. Grenade lourde. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une grenade à main plus grande et dont l'explosion fait encore plus de dégâts. Ouh. Ok. Merde. On va pas aller là pour le moment. Je vais faire le tour vite fait. Enfin, vite fait. Ashley, reste à côté. Putain de merde. Saloperie, quoi. Ok, est-ce que je veux faire le tour pour regarder si on n'a pas loupé des trucs? Par contre, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent... genre passer dans les buissons, quoi. Je serais pas étonné qu'ils puissent, en fait. Ah ah. On en a un juste là. Voilà, très bien. Alors ça fait quoi? C'est les drapeaux de chasse, ça, non? Regarde, ah, non. Le drapeau est déployé. Ok. Ok, donc il faut déployer trois drapeaux. Ça marche? Ça marche. On y va. Ça va? Ouais, nickel. Ouais. Ouais, là, c'est les vacances, là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle crie comme ça? On a encore des chiens à droite. Évidemment. Ils peuvent pas garder leurs chiens en l'air. Suivant. Ok, très bien. Grenade aveuglante, très bien. J'entends un truc qui galope. Ouais. Arrête de me demander ça tout le temps. Ok, il y en a d'autres qui arrivent. À terre! Ashley! Tout va bien? Ouais, ça va. Ça va. C'est pas moi, c'est pas la cartouche, c'est le chien. Donc c'est... Ah! Viens, charge-toi de ça. Ok. Ok. Ah, ok, c'est pour ça. Okay, ça marche. Bouge pas. C'est pas moi, hein. C'est pas la cartouche. Hein. C'est le chien, c'est le méchant chien. Ça, je crois.
Moi, je pense qu'elle serait... Honnêtement... Je crois que je lui aurais arraché le bras ou le torse. Hein, si je lui avais tiré dessus comme ça. On refait des... Ah bah non, je peux pas. Non, je peux pas, il me faut des petites. Ce qu'on peut faire, c'est des munitions de sniper à la limite. Ou des grenades aveuglantes, on en a déjà deux, donc ça sert à rien. Ouais, non, ce serait des munitions de sniper. Allez, si jamais on a besoin de passe, on fera des munitions de sniper. Ok, deux. Ok, bien. Bouge pas, je m'occupe d'eux. Ouf. Ça va? Ouais, j'ai rien. Ok. Moi non plus, ça va. Ok, go. Le gameplay est vraiment... J'ai envie de dire jouissive en fait, la façon dont on peut utiliser les différentes armes et tout ça, les angles qu'on prend et tout, le bruit aussi, l'audio est vraiment top. Ça, c'est vraiment bien fait en fait, on est vraiment dedans quoi. Bon, on va devoir se taper les gros chiens j'imagine. Tiens, on peut mettre ça là. J'aurais bien voulu utiliser une grenade contre les trois chiens de tout à l'heure. Là, on devrait peut-être utiliser une grenade pour les deux chiens. Je sais pas. Enfin, quoique, c'est peut-être mieux de la garder. Bon. En arrière ! En arrière. Compris. Oh mon dieu ! Oh la vache ! Il est où? Viens! Ok! Il est pas mort, hein, le deuxième. J'aurais dû balancer une grenade. Ok, repositionnement. Repositionnement. On entend deux. Reste avec moi. Compris. Il y en a encore plein. Il y en a un là. Derrière moi. Ok.
chaud, chaud, chaud. Ouh, bel échiquier. Chaud, chaud, chaud. J'aime bien, j'aime bien. On n'a pas de petite ferraille, par contre. Ça, c'est embêtant, quand même. On a encore deux petites grenades, deux flashs, la grosse. On va voir. On a pas mal de munitions de flingue. On va rester avec les munitions de pistolet pour moi. J'espère qu'on va pas l'attaquer pendant que je suis en haut. J'entends. Je crois qu'il y a un machin qui va sauter pendant que je baisse ça. On va enfin pouvoir sortir de ce labyrinthe. En fait, il n'y a peut-être pas besoin d'une de cartouche de fusil à pompe, honnêtement. Oh là là, merde. Alors attends, ça, on va faire ça. Attention les yeux! C'est un pistolet enfin, semi-auto et tout. Je sais pas si on a besoin de mettre une balle dans la chambre en fait. pas de balle, mais d'enclencher une balle dans la chambre. Parce que j'ai remarqué qu'il tirait le dessous là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je me demande s'il a vraiment besoin de le faire en fait. Alors je sais que le pistolet était complètement vidé, mais je pense pas qu'il ait besoin. En fait. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup ça irait plus vite. C'est ce que je veux dire. Alors je vais voir. Je pense qu'on a bien joué. Mais ouais. On a balancé pas mal de cartouches. Ça m'embête un peu. Mais bon. C'est comme ça. Tant de ferraille. Il nous faudrait des petites ferrailles. On a du mal à trouver des petites. La salle de balle doit pas être loin. Et de nouveaux articles étrangers. Tu m'en diras des nouvelles. Ça marche. Ces médaillons bleus sont une tare et je veux qu'ils disparaissent. Montrons-leur que nous n'avons pas peur et que nous ne pouvons pas tolérer cela. Le grand hall. Alors, à suite du marchand. Bonne nouvelle, l'ami. Je viens de mettre la main sur des outils de haute qualité. Grâce à eux, tu peux accéder à de nouvelles améliorations sur tes armes pour le faire... chanter encore plus fort. Pour les faire chanter encore plus fort. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Si jamais ça t'intéresse, tu sais où me trouver. Tu sais que, mec... Oh! Oh, tire. Yes. Bien. Tu sais que tu peux me le dire, en fait. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Au lieu de me l'écrire, tu peux juste me le dire. Le calice de l'expiation. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Ah, je sais. Je vais être honnête, honnêtement, tout s'achète avec de l'argent. Les richesses que tu as percées, pas enfin, mal. De l'argent, non, tout a un prix. Là, tout a un prix. Ça. Ah! Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à rien de plus facile. On peut aller plus loin. Ah ah! Donc, on augmente la résistance. On
va... Ça, c'est quoi, ça? Effectuer toutes les autres améliorations pour utiliser un ticket d'amélioration spéciale pour débloquer ceci. Ça, c'est pas mal parce que... Oh là là, ferme ta bouche. En fait, les tickets, là, du coup, genre là, nous, on peut en acheter un pour 30. Bah, en fait, ça rallonge vachement le développement des armes et tout. Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Donc ça, c'est vraiment sympa. Ah, extension de mallette. Voilà qui est plutôt grand. Assez pour répondre à tes besoins. Ça, c'est chiant parce que c'était cher. Donc on peut faire plusieurs raisons. Ensuite, ça fait quoi? Les armes sont entre de bonnes mains. Multiplier la vitesse d'attaque par 1.5. Ouais, c'est pas trop intéressant. Là, on a quoi? Perforer jusqu'à 5 cibles. Ouh, c'est bon ça. Multiplicateur de puissance par 1.5. Multiplier la cadence de tir par 2. Multiplier la puissance 1.5. Et là, multiplier la capacité de munitions par 2. Ça, c'est bien ça. Bon, il nous faut de... Il nous faut de l'argent, en fait. Il nous faut de l'argent. Ouais, on peut vendre ça. De toute façon, on en a quoi? Ah oui, attends, on a 3 or. Qu'est-ce que je raconte, putain? 3 rouges. De toute façon, ça nous sert à rien. Parce que nous, on a fait quoi? 4 couleurs? Ouais. Nous, on a bonus 4 couleurs. Et après, pour le mieux, ce serait tout du rouge. Et on n'a pas de carré rouge. Donc c'est... Non, on peut le vendre. On peut le vendre. On a 1.6, c'est très bien. Quand tu veux, sur... Bienvenue. Merci. On est bon. C'est du bon travail. Et c'est ça pour voir. Résistance, c'est bien. Si tu veux avoir une chance de survivre, les dégâts au couteau, ça peut être intéressant parce que bon, il y a sûrement encore des sortes de QTE en fait avec le couteau, genre à couper les ennemis et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas le plus intéressant. À la limite, la résistance est bien plus intéressant. Donc ouais. Après le pistolet, j'ai bien envie d'augmenter ses dégâts parce que c'est un truc qu'on utilise souvent et c'est vrai que le Punisher, le 5-7, il a un peu le problème de pas faire trop de dégâts en fait. La balle en elle-même, elle fait pas trop de dégâts. Mais on peut renforcer ça avec ça, avec l'augmentation. Après, le fait que ça tire à travers, moi j'aime bien. Donc c'est pour ça que je le garde. Celui-là, on peut aussi augmenter, mais c'est 50k, on a 30k. On va augmenter, je crois, le pistolet. Le temps, c'est de l'argent. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. On est bon. Je veux bien acheter un spray par contre. Fais voir. Ah, le TMP, j'ai pas envie J'achète de... J'achète tout et lire. N'importe quoi. J'ai bien envie d'acheter le soin en plus. Parce qu'on va... On est quand même assez limité. On a ça encore, très bien. Bon bah c'est bien, il nous fallait un peu de place. C'est cool. Faire tuer, hein. Ah ouais. On verra. Le magnum, j'ai toujours pas utilisé, autant le virer honnêtement. Mais bon, si jamais on tombe sur un gros truc, autant le tirer au magnum, hein. Vraiment, on tombe sur un très très gros machin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va voir un peu... Ok. On va voir un peu le stand de tir. On va tester un peu, voir ce que ça nous donne. Et après, on va... Je vais peut-être couper... On a une nouvelle épreuve, étranger. Rien que pour toi. Viens tenter ta chance. Ok, ça marche. Et après, je vais tout simplement couper, genre quand j'aurai fini, parce que ça peut durer une heure. Hein, donc, je crois qu'on va faire ça. On va regarder d'abord les. Ah, on a les anciens. Il y a ça aussi, genre tous les. 1000 points supplémentaires, on a des étoiles. J'ai fait 3 étoiles, là j'ai pas fait 3 étoiles. Je sais pas si c'est vraiment utile. Ouais, donc on a les 1A, 1B, 1C, et après maintenant on a les 2A, 2B, 2C. Donc ça va, on a les anciens, donc c'est nickel.
C'est nickel. Donc fais voir un peu ça. Par là. C'est quoi cette arme? Oh mon dieu, la précision de merde. Attends, mais il a quoi comme arme? Ah, il a que ça en fait. C'est quoi comme arme ça? C'est le... Ah mais c'est l'UMP en fait. Avec la crosse. Mais il est tout augmenté, putain, les le nombre de munitions. De... Ah, c'est marrant. Ah, j'avoue que le... Putain, on a fait de la merde. J'avoue que le... C'est quoi? C'est UMP? Non, c'est pas UMP. Enfin bref, le... Ah, elle s'est assise. C'est classe. J'avoue que le... L'arme auto, là. UMP, je crois, c'est ça. Bref. Tout automatique, c'est pas mal. Tout auto... Tout boosté et tout, c'est pas mal. Mais bon, enfin, vous avez eu les munitions. Hein, tu as du mal à toucher une cible. Après, je crois qu'on peut les faire facilement, les munitions. C'est 30... C'est que 6 poudres, par contre c'est des grandes à chaque fois, donc on, ouais, on pourrait putain, on pourrait en faire pas mal. Mais bon, faut de l'argent. À la limite, on pourrait genre, si, en toute logique, si on voulait vraiment utiliser cette arme-là, ça on peut pas trop le remplacer, puisqu'en plus on a les carreaux explosifs, c'est bien, le fusil à pompe, on peut pas le remplacer non plus, le sniper on peut pas vraiment le remplacer, le magnum non plus. C'est le Punisher en fait qui devrait être remplacé. Du coup, on aurait, au lieu d'un pistolet, on aurait une mitraillette. Et on pourrait faire des balles de mitraillette en boucle, mais bon. Ça te décaler, ami. Changer d'angle de tir peut parfois faire la différence. Ça marche. 3, par contre, 2, la précision, elle est pourrie. 1, hein. Allez. On va faire péter le score. Je regarde s'il n'y a pas de... Oh la vache, c'est chaud hein, de viser avec ça. Non, pas celle-là. Merci HP, tu m'aides. Continue comme ça. Merde. C'est de la merde. Ah, on a fait vraiment de la... La vache, mais ça va être trop relou à faire quoi. Alors, faut voir le reste. De quoi toucher une... 3, 2, 1, allez! Ouais, superbe tir! Très bien! Recharge! Ouais, augmenter celui-là, il est cool, hein. C'est celui-là qu'on, c'est celui qu'on a, qu'on utilise. Waouh! D'accord, putain, la dispersion. Faut des slugs ou quoi? On va regarder ce que c'est le troisième. TMP, fusil anti-émeute, d'accord. Okay, c'est... 3, 2, 1, allez! Allez, montre-le! Tout double! Fantastique! Ouais! Prends un coup! C'était énorme! Ah merde, oh la vache, ah c'est chaud. Le truc c'est que c'est un peu basé sur la chance aussi. Pour la cartouche, hein. C'est un peu basé sur la chance, hein. C'est un peu trop aléatoire. Tu as un don pour ça, mon ami. Ok. On va s'arrêter là ?
va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a une sauvegarde ici? Elle vient l'autre ou pas? Elle vient. Il y a une sauvegarde ou pas? Non, il n'y a pas une sauvegarde. Ouais. Enfin, on va s'arrêter là. Je vais jouer. Je vais essayer de gagner tous les jetons et tout ça. Puis après, on fait un tirage de porte-bonheur. Ok, on va faire ça. Donc, à tout de suite. Ok, on est de retour. Ça va faire à peu près une demi-heure que je suis dessus. Honnêtement, ça m'énerve. Parce qu'en fait, on voit le problème qu'on a depuis tout le début du jeu. C'est que quand ce con de Léon vise, en fait, genre les balles, elles vont toujours dans le périmètre du viseur. C'est pour ça que moi, j'ai pris le viseur laser. Le viseur laser, c'est le meilleur pour tirer une balle, en fait, super précise, ok? Bon, après, il tremble parce qu'il est con, mais il tremble toujours, Léon. Bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment trop un problème. Mais avec le viseur laser, ça corrige en fait beaucoup les problèmes de toutes les armes en fait. C'est-à-dire qu'elles vont tirer dans le périmètre du curseur. Et c'est vraiment une catastrophe. Surtout du coup, pour ces types-là. Ces dernières épreuves, ces types d'épreuves avec le TMP, les fusils anti-émeute et tout ça. C'est une catastrophe, honnêtement. C'est une catastrophe, c'est vraiment pas fun à tirer. Enfin, à jouer et même du coup à tirer. Genre, pour toucher les choses avec le TMP, c'est quand même une catastrophe. Immonde. C'est que la chose, c'est que le curseur va s'agrandir en fait quand on commence à tirer, genre dès le début de la première balle. C'est pas il va s'agrandir petit à petit, genre si on tire une rafale trop longue. C'est qu'il va s'agrandir, il va s'élargir au maximum quand on tire la première balle. Donc en fait, on peut pas faire des rafales longues. Après, on va me dire, oui, mais fais pas des rafales longues, fais des rafales courtes. Ben non, en fait, parce que les rafales courtes, c'est pareil. Comme j'ai dit, c'est à partir de la première balle que le truc il s'élargit. Et pour qu'il revienne au centre, le curseur, il faut attendre genre une seconde et demie, un truc comme ça. Je vais vous montrer, mais vous le voyez bien à l'écran. Et c'est extrêmement chiant. Vous voyez, là, il est plus ou moins centré. Mais dès qu'on commence à tirer, il s'élargit. Et c'est une catastrophe, en fait, pour tirer sur les choses. Voilà, là j'ai tiré trop de fois, j'ai loupé le truc. Enfin, j'ai tiré trop de fois. Vu qu'il n'y a pas de coup par coup hein, dans le jeu, hein, c'est la merde. Enfin, il n'y a pas de mode de tir. On va essayer d'être précis. Vous voyez, faut attendre à chaque fois, c'est une catastrophe. Mais voilà. Et on perd du temps. On perd énormément de temps en fait à cause de ça, parce qu'il faut attendre que le curseur se remette au centre. Je sais pas comment améliorer ça en fait. Là on arrive franchement au problème du jeu, j'ai envie de dire. Mais c'est ça depuis le début du jeu. Bon après, c'est pas Escape from Tarkov, hein, c'est pas aussi punitif si on loupe un tir. Hein, on va pas mourir en une balle, donc ça passe tout le long du jeu, c'est pas trop grave, c'est même ça rajoute un peu de fun dans un sens, un peu d'aléatoire et tout. Mais quand on doit faire des trucs précis comme ça, honnêtement, c'est une catastrophe. Je passe vraiment un très mauvais quart d'heure là. Je passe vraiment un très mauvais quart d'heure. Si on avait... Ferme ta bouche. Si on a... Voilà. Ferme ta bouche parce que tu me saoules. Si on avait au moins un laser sur toutes les armes, ça serait nettement mieux. Parce que là, honnêtement, ça me saoule. Là, ça me saoule. Moi, je vais me faire une pause là, je vais m'arrêter là, je vais aller me faire à bouffer. Pour vous montrer, j'ai 3 jetons d'or et 10 jetons d'argent. Je vais monter, je vais sauvegarder, on va sauvegarder et on va s'arrêter là. Et je vais essayer de le faire quand j'aurai la tête reposée et tout ça, mais là, ça m'a un peu gavé, honnêtement. C'est tout bête, hein, c'est tout bête. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout bête pour... Étranger. Je vais mettre pote parce que l'autre il va pas arrêter de tirer. De parler, pardon. Putain, j'arrête pas de penser à tirer maintenant. C'est tout bête pour corriger ce problème. C'est que vous mettez pas un curseur comme ça en fait, aussi élargi. Et vous faites pas en sorte que à la première balle, le curseur va s'élargir au maximum. Vous le faites progressivement. Comme ça, par exemple, sur tout ce qui est mitraillette, comme le TMP, là, et ben ça va progresser. La grandeur du curseur va progresser et vous pouvez faire des rafales courtes, en fait. Et quand vous arrêtez de tirer, le curseur se rétrécit, se remet au minimum, en fait, automatiquement, genre d'un coup, direct. Il faut pas attendre genre une seconde et demie ou deux secondes avant qu'il se remette. Voilà, honnêtement, c'est très très chiant.
pouf, c'est vraiment, vraiment très très relou. Donc c'est pour ça que voilà, je pense que on utilise le Punisher avec le laser et c'est le meilleur achat qu'on ait fait de tout le jeu. Parce que ça... En fait, c'est comme si on avait du RNG dans nos tirs. C'est, en gros, c'est du RNG. Hein. Je crois que ça a un nom, honnêtement, dans les jeux vidéo. Je crois que c'est du Bloom ou un truc comme ça. Je crois que genre Fortnite, il l'a. Et beaucoup de gens se plaignaient de ça. Genre, en gros, la balle va jamais aller où vous visez. Elle va aller dans le périmètre où vous visez. C'est pas la même chose, en fait. Donc, du coup, c'est pas vraiment vous qui visez mal. C'est le truc, bah, c'est du RNG. Donc, la balle, elle peut partir en haut, en bas, à droite, gauche. Mais voilà. Et c'est, honnêtement, c'est très mauvais. Pour les jeux de tir, c'est très mauvais de faire des choses comme ça. C'est très, très pourri. Donc, ouais, là, je passe un mauvais moment. Mais bon, je vais y arriver au bout d'un moment, mais c'est juste relou. C'est juste relou. Le fait de ne pas avoir de viseur laser, je vais même voir dans les options si on ne peut pas tout simplement enlever ce curseur et avoir des viseurs laser partout, mais ça m'étonnerait. Je ne crois pas que ce soit possible, vu que c'est un truc à débloquer. Et le pire, c'est que ils vous mettent avec les spinels, là, on a mis le laser sur le Punisher. Genre, c'est un objet à débloquer. Donc, dans un sens, je suis sûr qu'ils avaient dans l'esprit, qu'ils savaient que ça rendait la chose difficile de viser comme ça avec ces curseurs là qui s'élargissent et qui mettent 3000 ans à se rétrécir et tout ça. Je savais c'est certain qu'ils savaient que ça allait être très chiant. Et c'est pour ça qu'on a ce laser à mettre sur les pistolets par exemple. C'est pour vraiment aider quoi. Mais ouais, très très relou. Très 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 relou là cette partie. Oh la vache. Je vais m'arrêter. Et je vais essayer de finir, d'avoir tous les jetons, comme ça on va essayer de récupérer des nouveaux porte-bonheur. Ah, mais ouais, un peu déçu. Là, j'avoue, comme j'ai dit, ça c'est des... J'arrête après, hein. Je sais que je me plains un peu là. Mais c'est des choses qui nous dérangent pas trop, genre tout le long du jeu, même si on joue en hardcore et tout, et des fois ça rend un peu la vie difficile. Mais bon, comme j'ai dit, on a bloqué un peu le RNG genre avec le pistolet, donc le pistolet il tire où je vise exactement, bien précisément, ce qui est très bien. Mais après, on a ça avec genre le sniper aussi, on a la lunette, donc ça c'est parfait. On est en première personne si on n'a pas la lunette, donc ça c'est parfait. La balle va aller où on vise, donc il y a zéro problème. Le fusil à pompe, bon c'est large, on est toujours au corps à corps avec le fusil à pompe, donc ça passe. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme? Bah voilà, en fait, donc, c'est les armes qu'on utilise le plus souvent. Et c'est pour ça que ça marche très bien. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème, en fait, au combat. Enfin, le moins de problèmes possible. Mais si on utilisait que genre le TMP, des trucs comme ça, ce serait une catastrophe. Ça serait vraiment... Bah, quand on l'a utilisé, honnêtement, j'ai vraiment passé un mauvais moment. Enfin, c'était juste pour vider les munitions qu'on avait dans la mallette. Hein. Et la prochaine fois, honnêtement, on va même pas utiliser le TMP. On va tout simplement vendre les balles, en fait. Je crois qu'on va juste vendre les balles. Peut-être je peux même le faire maintenant. Attendez, on va faire... C'est quoi les... Purée de revente de munitions. Bienvenue. Je crois alors, qu'il m'en... J'en qu'est-ce ai... que t'achètes? Ouais. Ça. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Ouais. Comment vendre? Ouais, ça c'est pas des trucs... ça on l'utilisera jamais. On l'utilisera jamais, même avec la crosse. Parce que là, l'arme, elle est montée à fond hein, quand on fait le... C'est quoi que j'avais, moi? Mission de pistolet. L'arme, elle est montée à fond quand on fait ces challenges-là, de stand de tir. Donc, vous imaginez, là, des dispersions de fou, même montée à fond. Enfin, je pense que c'est montée à fond. Je suis quasiment sûr, vu le nombre de munitions qu'il y a dedans. Genre 70 et tout. Et il y a la crosse, en plus. Il y a la crosse qui est un objet spécial pour réduire le recul et tout. C'est juste débile, quoi. C'est juste débile. Donc, ouais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais honnêtement, je suis à 100%, 200% certain qu'on passerait un meilleur moment si, en fait, il y avait des lasers partout. Parce que, du coup, si vous loupez votre tir, bah, c'est vous qui visez mal. Point barre. C'est pas le jeu qui décide que le tir, il va à gauche au lieu d'aller au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je le vois. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.